Bonjour et bienvenue, c'est Béné, on se retrouve pour le 4e épisode de Dragon Ball Z Kakarot. Donc allez, dans cet épisode, on va commencer l'entraînement de Sangohan en attendant les Saiyans. Donc allez, c'est parti. Donc c'est parti pour le 4e épisode de DBZ Kakarot. Donc la caméra en haut à gauche, je pense que ça peut être mieux. Donc allez, c'est parti. Ok, donc Sangohan pleure. Il pleure, Sangohan. Vous cherchez la nourriture dans les environs. Ah, par contre, il y a un truc que j'ai pas fait. C'est les emblèmes. Non, c'est communauté. Non. Communauté, emblème d'âme. Voilà, donc il y a lui. Lui, je vais mettre. Oui, on va mettre là. Non. Non, pas. Non, peut-être là, peut-être c'est mieux. Un truc qui collerait quand même. Ah ouais, ok. Ok. Et l'autre emblème d'âme, c'est... Le dieu. Magnifique. Ouais, c'est ça, ouais. Piccolo l'a laissé seul. Pour le rendre courageux. C'est pour le rendre courageux. Allez. Ok, herbe. Donc faut aller jusqu'à là-bas. Let's go. Aïe, aïe, aïe. Ok, l'attaque spéciale Makanko Sapon de Piccolo est désormais disponible. Magnifique. En progression de l'histoire principale, tu obtiendras de nouvelles attaques spéciales. Ouais. Ok, bon, on va faire quoi? Faut aller voir comment se comporte Sangohan. Est-ce qu'il s'en sort tout seul? Est-ce qu'il s'en sort? Eh oui, il va s'en sortir, Sangohan. Sangohan. On va prendre un peu des orbes. Ok,
Ouais, après, c'est peut-être. Après, t'en as, ils aiment bien pas parler. Hein. Mais ouais, c'est possible, t'as raison, hein, t'as raison. Faudrait qu'ils le font, ça pourrait être cool. T'aurais une petite idée de d'histoire, toi? Qu'est-ce que t'aimerais qu'ils inventent? Donc il y a trois zones. Ouais, ok. Vas-y, on va commencer par celle-là. Ah, ok, c'est lié, ouais. Ok. Allez. Les fameux. Même les combats, je sais pas ce que t'en penses. Les combats au niveau gameplay, il est cool le gameplay. Hein. Il fait très japonais. Oh, c'est très cool. Vraiment. C'est vraiment un JRPG, c'est ça qui est vraiment cool. Ok. Allez. Ok, magnifique. Ouais, moi aussi, c'est mon personnage préféré. Exact. C'est aussi mon perso préféré. C'est vrai. Moi, j'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien qu'il fasse une histoire avec Gohan, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Hein. Ou même en série, hein. Allez. Par contre, je l'ai pas mis, moi, encore quoi, ça. Faut le sélectionner ou pas? Ah, je sais pas, je sais pas. En plus, il faut les sélectionner. Et... Ah ouais, je l'ai pas, moi, encore quoi, ça. Faut que je le... Je l'active. Et... Ouais, gameplay, il est cool, hein. Parce qu'en plus, c'est vrai que... Je me souviens bien, il y avait beaucoup de jeux de DBZ qui flottaient dans le gameplay. Là, je trouve que vraiment, il n'y a pas de faute au niveau gameplay. Ouais, c'est vrai. Bah après, ils l'ont ressorti un peu pour l'arc-bout. Tu vois, à un moment donné, ils l'ont ressorti un petit peu, tu vois. Mais ça n'a pas duré longtemps, quoi. Ça n'a pas duré longtemps. Attends. C'est dans quoi? Gros, peut-être, non? Personnage peut-être. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les compétences. Frappe éclair du démon. Ah voilà, encore un coup de sapot. Hop, très bien. Ouais, l'arc c'est incroyable. Hein. Il est incroyable. Et je trouve que même dans le jeu, dans DBZ Kakarot, je trouve que l'arc Cell c'est le meilleur aussi. Je trouve que c'est le plus ouf. C'est où? En haut? Ouais. Allez. Allez. On est en train de le défoncer. Attention. Kakou Sapo. Attention. Ok. Pas compliqué. Pas compliqué du tout. S. Des orbes en plus. Sate, Anonakimushi no Ksongaki wa dou natte iru ka? Oitsumerarete, sukoshi wa mashi ni natte iru to ii ga na. Ok. Donc allez, on va aller voir Sangwan. On va voir comment se porte Sangwan. Ah oui, il est en haut là. Et oui. On a cassé. On a cassé. Ah, nous, Ksumaki.
サイヤ人どもと戦うには戦力がまるで足りん。あいつの潜在能力に欠けるしかない。ち、一度きりだ。今回だけは食い物を恵んでやる。Poivre Sangwan. Récupérer quelques pommes pas mûres pour Sangwan. Ok. Ah, c'est là-bas. D'accord. Hein. Je récupère des pommes. Dans les arbres. Hein. Attends, ouais, là-bas. Et... pommes pas mûres. Ok. On va les trouver quoi. Vous les trouvez. Ouais. Là j'en ai une. Ouais. Ouais, après. Ah, c'est vrai qu'il est cool hein. Après en vrai moi j'aime à peu près tous les personnages des BZ. Même les secondaires, les Krillin et tout, franchement. Moi je les aime bien, surtout par rapport au Dragon Ball, tu vois. La série Dragon Ball, Krillin est cool, quoi. Même Yamcha et tout, ils sont cool, hein. Moi j'aime bien. Hein. Moi j'aime tous les personnages, en vrai. Piccolo est stylé aussi, ouais. C'est vrai. Après, voilà, ils les mettent en avant juste un ou deux épisodes par-ci par-là. C'est vrai que c'est dommage. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ok, c'est parti. Donc Sangwan en mode... aïe aïe aïe. Mode gorille. C'est stylé ça aussi. Hein. D'accord, que ça peut. Allez. Après, ouais, il y a des personnages qui sont plus touchants que d'autres, c'est vrai. Après, on a nos préférés. Hein. Oula. Oula. Allez. Sangwan niveau 10. Ok. Ah. Touché. Voilà, attention. Oh, bah, pas mal ça. Allez. Magnifique.
まさか変身するとはな。サイヤ人の血か。変身するには満月と尻尾が必要らしいな。尻尾も取ってしまうか。服と剣ぐらいはサービスしてやるか。俺は自分の修行をせねばならん。もう行くぞ。貴様が6ヶ月の間ここで無事生き延びることができたなら、このピッコロ様直々に地獄の特訓をしてやろう。 Ouais, après ils peuvent pas tout respecter à la lettre pour le jeu. C'est ils ont fait en mode accéléré, hein. C'est sûr. Mais bon, je trouve que quand même ils respectent assez bien l'histoire. Mais ouais, après ils peuvent pas respecter tout à la lettre. Ok, Piccolo laisse Sangwen et plusieurs mois passent. Oui, c'est vrai. Il ne peut pas voler pour le moment. Après... Ah tiens. Notre ami Yajirobe. D'ailleurs, PG, cet enfoiré, des fois, il m'appelle Yajirobe. Yajirobe. Allez, on va aller le voir, notre ami Yajirobe. Il fait rire, lui. C'est bon, frérot, merci d'être passé, c'est gentil. Bonne soirée. Squatteur de la tour de Maître Karine. Incroyable. なんてガミガミ言われてまってよ。助けに来たってわけだじゃ。でも迷ってまってな。全然お宮が見つからなくて困っとったとこだわ。もう帰ろうかと思ってたところだったから、お宮さん、ラッキーだったなんや。うん。ここじゃ飯にも困るだがや。え、まあこの肉は俺の昼飯だからやれにゃけどな。 Aucun de déplacement sur le terrain utilise L1 pour chercher du ki dans les environs afin de détecter l'emplacement de certains matériaux et objets. Attrape 3 cerfs. Ok, il faut attraper 3 cerfs. Et voilà. Ok, donc il y en a là-bas. Et je crois qu'il faut... Ok, 1, 2 et 3. Magnifique, c'est pas compliqué. Hein. Pas compliqué du tout.
Un peu d'orbes. Ok, voilà mon petit Yajirobe. Qu'est-ce que t'en penses? これでもよ。今神様のとこで修行してるんだわ。あんまり長いこと抜け出してると怒られるでよ。そろそろ一度戻らにゃならんのよ。そうだったんだ。そんじゃ元気でな。すごい人だったな。食べるものはなんとかなりそうだけど。 Ok. Yajirobe. Leader de communauté Yajirobe. Communauté d'aventuriers. Ok. Ok, nouvelle communauté. Magnifique. Allez. Plusieurs mois ont passé depuis la rencontre entre Sangwan et Yajirobe. Piccolo, qui s'entraîne de son côté, fait une étrange découverte. Mondo, Saiyajin domo, mada kite inai to iu no ni, tsuyui power o kanjiru. Tashikamete miru ka. Ah. Ah. Que se passe-t-il? Niveau supérieur. Que se passe-t-il? Les orbes en même temps. Donc là, il y a un... Ah, Tenshin Han. Notre ami. Piccolo. Shouzu. Orega kanjita power no minamoto wa kisama ka. Ore no sekkin ni mo kizuite ita to mieru. Zako nari ni kitaete wa iru yō da na. Zuibun na monoii da na. Ore wa kisama o shinyou shita wake janai. いつか倒さねばならんが相手だ。だったらそれが今でもいいだろう。ほう。貴様に俺が倒せるのか。俺は神様のもとで修行をした。そういうことか。そして、その仕上げとして強者と戦い修行の成果を試すように言われ、地上に戻ったが、貴様が相手なら、ちょうどいい。俺の力を見せてやる。 Allez. 退屈していたところだ。相手をしてやろう。 Tenshin Han. Parti. Merde. Faire gaffe. Ah, il est esquivé encore. Allez. Voilà. Attention. Donc un gros serpent. On est en train de le défoncer. Ah, foiré. Ouais. On est plutôt pas mal. Ok. Magnifique. Très bien. On l'a éclaté, hein. Tamayoke kurai ni wa nari sou da. Seize, shugyou ni hagemu koto da na. Kono yaro, itte kureru ze. Chōshi ni notte irareru no mo ima no uchi dake da. Kanarazu kisama o taoshite yaru kara na. Yatte miro. Ok, donc nouvelle communauté Tenshin Han. Bon, c'est communauté emblème d'âme Tenshin Han.
On va le mettre là. Hein. Merde. Là? Ouais. Ok. On a une quête secondaire et Shouzou. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, Shouzou se prépare pour la bataille à venir avec les Saiyans, mais quelque chose d'inquiète. Ok. Maintenant, la télékinésie. Qu'est-ce que tu veux parler? Qu'est-ce que je suis mobilisé? Je ne sais pas ce que tu essaies de faire, mais de toute évidence, tu ne tiens pas à la vie. Arrête. Hein? Désolé de ne pas t'avoir prévenu, mais Shouzou teste une technique qu'il destine aux Saiyans. On aura besoin de sa puissance pour le combat qui se prépare. Ne sois pas ridicule, un avorton comme lui nous aiderait. Retire ce que tu viens de dire. Lâche-moi, cette technique n'a aucune chance de m'atteindre. Tu vas découvrir la véritable puissance de Shouzou. Mais Tenshinhan, je... Ne t'inquiète pas, moi aussi je vais me battre, on forme une équipe après tout. Nous sommes puissants, c'est parce que nous pouvons compter l'un sur l'autre. Montre-toi ce monstre dont nous sommes capables. Ok, imbécile, allez. Encore on va se battre contre les deux. Ok. Ah. Voilà, on a éclaté là. Allez. Ah, enfoiré. Bah, eu. Attention. Ok. Oh, enfoiré. Sans vous. Enfoiré. Ok. Et... Enfoiré. Ah, j'ai pas assez de Kiki. Attention. Ah, enfoiré. Ok, donc déjà Tenshinhan, c'est réglé. Allez. Oh, c'est... Ça l'a pas mis. Ouais. On pourrait défoncer, changer. Ouais. Oh, on l'a défoncé, changer. Oh, on l'a éclaté. Allez. Magnifique. Et zut! Fin de dénouement sans surprise. Je n'appelle pas cela un combat. Les mauvais dans ton genre n'ont aucune chance face aux Saiyans. Pardonne-moi, Tenshinhan. Je n'étais pas aussi faible. Ne baisse pas les bras, Shouzou. On a beaucoup à faire. Il faut concentrer encore plus dur pour battre les Saiyans et montrer au monde entier qu'il ne faut pas nous sous-estimer. Mais, si ma technique ne fonctionne pas sur les Saiyans, je n'ai plus le choix. Histoire terminée. Magnifique. Ok. Hop. Donc on a Shouzou. Magnifique. Donc allez, on va le mettre.
Emblème d'âme. Chaozu, on va le mettre à côté de... Vas-y, on va le... On va mettre à la place de... Voilà. Enfin. Ok. Ok. Très bien. Ça marche plutôt pas mal. Ok. Bon, je vais arrêter l'épisode YouTube. Donc, je vous dis peace.